Désolé pour la voix, puisqu'il y a un sale coup de froid par-dessus. Pas désolé pour le jeu qu'on va voir, que j'espère super bien ce soir. Et donc, White Shadow, oui, je l'ai repéré sur un petit bout de trailer où j'ai fait « Oh, graphiquement, Monsieur Cass, ça c'est pour toi, ça va te plaire. » C'est le genre de jeu, tu ne peux que le prendre en affection sous ton aile bienfaitrice. Ce jeu aborde des sujets sensibles et difficiles. Racisme, suicide, violence envers les femmes, les enfants et les animaux, travail forcé, xénophobie. Ma foi, c'est le jeu parfait pour cette soirée, je l'ai dit. Monsieur K a fait une Near Death Experience, on va faire un jeu qui envoie du pâté. Moi je dis, l'amour est partout. Non, il n'est pas que dans le pré. White Shadow, alors vous allez voir le rendu, c'est marrant. J'avais dit que c'était marrant. Les gens n'écoutent jamais. Ça sent l'amour. Le principe, vous allez le reconnaître assez vite. Hein. C'est ce type de jeu que j'ai pour habitude d'appeler liner. C'est-à-dire, oui, on a un environnement pseudo 3D, mais en fait, on se balade sur une ligne unique. Et il y aura sans doute des énigmes, de la péripétie, de l'acrobatie. Et pas mal de choses comme ça. Alors, j'aime beaucoup le rendu, effectivement. Oui, allons. Y'a pas une souris qui va les décrocher, quoi. Faut tout faire soi-même. Ça, c'est sans doute moi. Et je me demande même pas ce que je fous là, vu que le truc est quand même assez barré. Donc, liner, et on va nous apprendre les commandes. Oh oui, j'aime beaucoup ce rendu, c'est magnifique. Maintenant, il faudrait que le jeu soit bien, ce sera encore plus mieux, bien, magnifique. Top, moumoute. J'essaye les boutons, hein, comme d'hab. J'attends pas qu'on me dise, je suis curieux. Et puis, dis. Il n'y a pas 36 000 boutons, hein. Pour l'instant, je peux que sauter. Attention, attention! Oui, bah oui, il fallait sauter, c'est connu. Alors les corbeaux coupables, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Oui, c'est mon groupe, les corbeaux coupables. J'avais joué dans un film très connu avec un acteur qui est mort en se prenant une vraie balle, alors que ça devait être une balle à blanc, bordel! À droite, on va éviter parce que ça sent, bah, ça sent désespérément le pas plein, ce qu'on appelle communément d'ailleurs le vide. Ah, on va en profiter pour aller plus par là, quoi. Je vais vous remonter un petit poil de son du jeu, ça pourra pas être désagréable. Oui, monsieur K, c'est la softness avant tout. Et le soin du viewer, après tout. On y retourne. Alors, je vais sauter en face, I presume. Est-ce qu'il y aurait des trucs à faire, non? Bon, ok. Oh. Bon, c'est fascinant, mais ça ne m'éclaire pas, justement. Alors, c'est quand même un petit peu dommage, on va pas en rester là, les mecs. Est-ce qu'on se tente le saut de crétin? Moi, je veux bien, mais... Bon, on va tenter le saut de logique, déjà. C'est pas mal. Oh, pardon. Oh, je ripe, peu cher. Pousse, t'as bien une fonction pour pousser. Mais on ne me la fait pas, quand même. Donc il y a bel et bien cette salle très familiarité avec les limbos et autres liners du genre. J'espère que ça va être bien qu'on va attaquer les parties un petit peu creuse-méninges ou qu'il va y avoir quelque chose d'original quelque part que je ne connais pas encore. Comme pousser cette boîte, ça
me pousser cette boîte. Pourquoi faire? Tu ne sais pas, tu suis la boîte. Je suis la boîte. La boîte est suivie. Elle me permet de monter ici. Je l'aurais pas suivi. Je ne monterais pas ici. Et je serais coincé comme un ravioli au fond de cette boîte qui restera abandonnée et finira dans une poubelle. Quel rapport? Aucun, mais on s'en fout! Oui, monsieur K est déchaîné quand il a la fièvre. C'est comme ça. Attention! Il y a une grosse inertie dans le personnage. Hein. C'est assez étrange au début. La prise en main, on dirait qu'il est un petit peu en mode cosmonaute. Voilà. Je pense que je l'ai pas trop mal exprimé. Donc, oui, l'inertie est assez costaude. Gneu, gneu, gneu. Reste là, toi. Non, attends. Gneu, gneu, gneu. Après, le choix du perso est assez bizarre parce que l'environnement est super défini, mais on a l'impression que le perso du joueur est pas ultra défini, lui. Non. En 2D, donc n'essaye pas de venir vers moi sur ce tube, ça ne marchera pas. Yatta. L'ambiance son est très très vide. Alors c'était la question que je me posais. Est-ce que c'est fait exprès pour monter en puissance ou ça a été un petit peu fait à l'arrache? Du coup, je vais vous laisser un petit moment sans commentaire, rien que pour vous poser l'ambiance lourde, pesante et pleine de... Vous ne voulez pas trop savoir, c'est quoi ça? Je l'ai agité, je l'ai actionné, je l'ai activé. Je ne sais plus, je ne sais pas. Que m'arrive-t-il? Où va-t-on? Alors, je referme ça, comme ça je vais pouvoir passer par-dessus. Mais bien sûr! Presque. Oui, presque. Faut bien dire les F. Comme dans le vieux Francfois. Oui, le vieux Francfois. étrange ce jeu. Parce que sur le côté aspect, c'est très réussi. Mais maintenant, je commence à me poser des questions. Où il veut nous emmener, le gars? Merde! Il devait y avoir un truc activé que j'ai pas poussé. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, oui, je me demande vraiment où le jeu veut nous emmener. Because, pour l'instant, c'est très linéaire. J'ai rien vu actionner ici, les amis. Hein. Je veux pas faire le mec pessimiste ou dark ou je sais pas quoi. Donc là, je vais ressauter là, mais il faudrait que j'avance la plateforme qui est tout en bas. Je peux pas, avec le stick 3, voir un petit peu autour. Non, ça c'est dommage. Ah bon, un bout. Ou un bout et vide, grenier. Alors, what to do, doudou, d'ici? Parce que si je saute là, je vais retomber en bas. Je n'atteindrai pas la plateforme qui est tout à droite, à mon niveau. Et si je saute là... Je veux bien aller voir ici, mais... J'avais prévenu, les gens ne m'écoutent jamais. C'est un drame dans ma vie. Les bons conseils de Monsieur K, toujours les écouter, c'est très important. Je vous avais dit que vous auriez droit à des doussages. Hein. Je suis coincé au début du jeu, expliquez-moi. Please, baby, please don't go. Ça monte, ok. Je pourrais éventuellement passer, mais je l'ai dans le huc, puisque je pourrais pas revenir à droite, à gauche. Donc je suis obligé de le baisser. Comme ça, je peux monter. Ah non, mais je fais verbalement toutes les opérations, au moins je suis très clair avec tout le monde. Et on va comprendre que je comprends pas. Ce qui n'aidera personne, d'ailleurs. Putain, mais merde. Ah, cette inertie est assez gonflante. Si je redescends là, que j'actionne ça, ça fait quoi? Ça le monte. Ouais, c'est cool, mais tu l'as dans le cul, tu peux plus remonter, tête de nœud. Oh putain, ça me saoule. Alors attendez, j'ai un autre truc à improviser. Qui est pas mal. J'ai trouvé. Oui, on va reprendre le système Limbo et compagnie. Il veut faire de l'énigme énigmatique. On va lui donner de l'énigme énigmatique. Tic tic tic. Mieux. Hop. La caisse qui est là-bas, on va la faire tomber. Ouais, parce qu'on est des brutes.
Pourquoi je vais la faire tomber? Parce qu'une fois qu'elle sera en bas, je vais pouvoir descendre, activer cet inter, remonter ce truc, et remonter ici après, vous voyez. Oui, vous voyez, c'est important comme expression. Voilà, et là on est bon. Ça aurait été long? Oui. Mais qui va tutti va fruti, comme dit le vieux dicton italien. Ce fut laborieux, les amis. Oh putain. On y voit rien, on y voit rien. Lumière! Ah, quand c'est noir, c'est noir. Alors, tant qu'il y a dans les options, je vais vérifier s'il n'y a pas un truc, une histoire avec la musique. Parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'ambiance sonore plus développée. Je crois que je me suis sauvegardagé. On ira après dans les options. Allez au boulot gros. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez. Non mais fais pas attends. Oui je sais, faire ça toute la journée, ça doit pas être terrible comme boulot. Mais il y a des gens qui font des livraisons à vélo, tu comprends? Donc pas de plainte. Et je vous avais prévenu que le jeu serait un petit peu barré. Внимание, внимание!
Léger hommage à Inside, non? Bonne chance, gros. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui t'arrive, Zizou? Bah ouais, soit tu me suis, soit tu me suis pas, quoi. Ok, c'est le timide de service, apparemment. Oui, bizarre, je confirme. Le jeu est... Le souci qu'il est... Et tant qu'il est pas tant excitant, parce que pour l'instant on fait surtout du parcours quoi. Et du parcours sans performance. J'avance, je saute, j'avance. Oh mon dieu, une énigme. Et après je suis reparti pour avancer, sauter, avancer pendant 5 minutes minimum. Et j'espère que tout le jeu va pas être comme ça en fait. Il faudrait qu'il trouve son rythme, ce qu'il a vraiment pas là. Merde. À refaire. Il va y avoir une blague. Hein. Et les pioupes, vous voulez venir? Ta. Merde, je peux pas attraper ici. Alors les pioupes, qu'est-ce que vous en dites? Non mais faites pas vos timides, je viens avec vous. Ok? Non, venez avec moi. Lui, je vais me le prendre dans la tronche, je sais pas pourquoi, mais ça me semble évident. Non. J'avais dit. Alors les pioupes, c'est rigolo parce que ça, pareil, ça me fait penser à Limbo. Au début, il y avait... c'est Limbo, du coup, ou Inside. Parce que je finis par les confondre à force. Celui où on arrive dans la ferme... Non, c'est Inside. Non, c'est Limbo. Oh, je sais plus. Il faudrait que j'y rejoue. Ça fait vraiment une éternité que je les ai pas touchés. Sachant que ma préférence va sur Inside parce que son ambiance était super réussie. Et son final mémorable. Et je ne peux pas vous en causer pour des raisons de spoil évidentes, mais très franchement, si vous faites Inside, aller au bout du jeu, c'est terrible. Et le jeu vient de planter? Non. Are you afraid of darkness? Non, moi pas peur, l'obscurité. Un bain de lumière par jour. Garde le docteur au loin. Et ça aussi, c'est un point commun avec Inside. Parce que la lumière avait une grande importance. Le jeu était très obscur. Oulala, bienvenue dans le ministère des énigmes à la con. Alors ça sert à quoi ça? Attends, on va tout tripoter d'abord parce que je sens qu'il y a une connerie.
Et maintenant, on fait quoi, les gars? Non, mais moi, je veux bien, mais voilà, c'est... moi, j'ai pris le principe de ce que je vois au fond. Il y a trois trucs allumés, donc je me dis, c'est trois trucs allumés comme ça, ça marche bien, non? Ouh, on va pas être trompé. Alors, les énigmes sont amenées d'une telle manière. Genre, allez hop, c'est l'heure de l'énigme. On t'explique pas, on te met pas en contexte. Y a pas vraiment de cohérence, j'ai l'impression. C'est super zarbi. Donc là, il me file un truc, il me fait ouais, bah démerde-toi, t'as ça qui fait ça. Génial, hein. Et ça qui fait ça. Génial, hein. Maintenant, démerde-toi. Je peux pas bouger la caméra autour pour regarder dans le décor si j'ai pas des indices. Ce qui est fort dommage d'ailleurs, qui est une grande erreur. On va essayer toutes les solutions, il n'y en a pas 10 000. Alors ça change de côté, quel intérêt? On va voir. En fait, faut que je les allume tous. Je pense qu'en partant sur un seul, ça peut être sympa. Non, l'autre sens. Tadam. Je vais donc faire un break par ici pour pas vous spoiler tout le jeu. Mais vous pourrez voir l'émission suivante qui, lui, va vous le révéler en intégralité, si ça vous tente. Moi, la conclusion que je vais donner, c'est pour l'instant, ce titre a repris les bonnes choses chez d'autres jeux qui sont très connus et beaucoup mieux faits que lui et n'a pas su les exploiter correctement. Ce titre a créé son propre univers, complètement barré, qui nous intéressait à la base, c'est ça le pire. Mais en fait, il ne sait même pas jouer de ses propres incohérences. Donc on en arrive à un produit qui, au final, au lieu de rendre hommage à tous ces titres qui nous ont déjà fait plaisir de longues heures, n'en est rien d'autre que le vulgaire plagiat. Et ça, c'est triste. C'est la raison pour laquelle, en fait, je vous laisse, en prochaine émission, le full run du jeu. Si ça vous intéresse, mais sachez que dans l'état, ce White Shadow ne vaut guère plus de 2 €, quoi. Et encore, je trouve que c'est peut-être un peu cher. C'est mon avis perso, mais je pense que si vous essayez le truc, vous le partagerez très rapidement. Allez, petite playlist, gros bouton d'abonnement, et bientôt d'autres nouveaux jeux qui sauront nous enthousiasmer un petit peu mieux.